Hey what's up les gars, c'est DHM, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour mon plus grand plaisir qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui les gars, on va lancer une petite série, hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est une nouvelle série qui va arriver justement sur la chaîne. On va tout simplement essayer de faire des petits défis entre nous. Et aujourd'hui les gars, le petit défi c'est tout simplement de jouer en sensi maximum sur Fortnite Battle Royale. Du coup voilà, c'est parti, je vais tout de suite mettre la sensi au maximum. Alors on va aller dans les paramètres. Donc faut savoir hein, que je joue pas à 8, j'avais quand même essayé tout à l'heure d'augmenter un peu la sensibilité, etc. Du coup je vais mettre tout ça au maximum et on va voir ce que ça donne, hein. Je rappelle encore une fois mesdames et messieurs que je vous fais gagner le pass de combat. Donc voilà, dès qu'on atteint les 500 abonnés, juste à faire appuyer ma maintenir triangle et je vous l'offre. Du coup voilà, je peux faire ça, enfin bref, ce que vous voulez. D'ailleurs Fanta qui a remporté le Master Clan, gros GG à toi frérot. Et on va tout de suite on va commencer une game en solo et voir ce que ça donne. On arrive tout de suite en game. Oula, wesh les gars. On va essayer de faire une bonne game. Même si ça me paraît assez compliqué, la sensi est vraiment énorme. Hein. Je sais pas si vous. Ok, c'est la première fois que je prends une sensi aussi élevée. J'espère que ça va bien se passer. Ok, on va essayer de prendre un spawn où il peut y avoir pas mal de monde. Essayer de voir comment ça se passe. En tout cas les gars, je voulais vous remercier pour le soutien qu'on a sur les streams, sur les vidéos, hein, même si j'essaie d'en sortir un maximum, il n'y en a pas tous les jours, mais en tout cas je voulais vous remercier pour le soutien. Voilà, sur les streams vous êtes très très présents et ça fait tout simplement extrêmement plaisir. Je vais essayer d'avoir le coffre, ok je l'ai eu, et ça va vraiment très très vite. Hein. On va essayer quand même d'assurer 2-3 petits kills ici, ce sera quand même pas mal. Et puis voilà, alors attendez, juste prendre les petites pods. On va essayer de descendre en sécurité, il y a encore des potes là-bas. D'ailleurs les gars, je pense organiser une deuxième édition du Master Shift. La première vous avez plu, on est allé jusqu'à 50 viewers, voilà ça va vraiment très vite, 50 viewers sur Twitch. Du coup voilà, pour une première édition c'était quand même pas mal, ça avait été remporté par la G4B. Et puis je pense voilà, vous faire une deuxième édition. Ok, il y a des gens, je les entends là-bas. Voilà, la sensi est vraiment très très dur à gérer, hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent en 10, mais c'est vraiment très très dur. Ok, il est là-bas. Bon, là, je pense que c'est un bot. Voilà, c'était un bot. On assure quand même le premier kill. Là aussi, un bot en John Wick, quand même. C'est bizarre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des bots. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Personnellement, je vous cache pas que je suis pas un grand fan. Voilà, pour les nouveaux joueurs, c'est très bien. Attention, regardez encore un bot. Pour les nouveaux joueurs, c'est très très bien. Ah non, c'est pas un bot, je crois. Parce que voilà, justement, il y a pas trop de difficultés. Ils peuvent apprendre à jouer, apprendre les mécaniques du jeu. Après, pour les anciens joueurs. Ah non, ça c'est pas un bot. Ça va vraiment trop vite, hein. Je sais pas si vous réalisez. Ok, j'ai mis une très très grosse balle. Après au niveau des edits ça aide un peu. Mais sinon non, ça va vraiment trop vite. Du coup voilà, ouais je disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des bots dans les commentaires. Moi je disais justement que voilà, à mes yeux c'est bien pour les nouveaux joueurs mais pas pour les anciens. Parce qu'en fait ça devient trop facile, je veux dire le bot il arrive, t'es en train de lui tirer dessus, il continue à taper le mur tu vois. Ouais bah voilà, ça c'est pas un bot, ça je peux te l'assurer que c'est pas un bot. En plus il me reste qu'une balle de pompe les gars, ça va être assez compliqué de gérer ce fight. Ok on l'a eu, ça joue très bien mesdames et messieurs, le cinquième kill de cette game. Par contre il nous a mis très lourd, je vais assurer quand même les mini pods et ce petit medkit. J'espère qu'il y a personne qui va nous backstab. Ok bon c'est bon, normalement j'ai le visu. Du coup lui c'était pas un bot pour le coup, il m'a fait vraiment très mal. Mais ouais du coup tu te retrouves à faire des games à 18 kills, t'es hyper content. Mais en fait t'as tué majoritairement des bots. Du coup bah c'est triste en vrai. Ok il y a des munitions à ce niveau là, c'est cool. Je pense que je vais jouer au chasseur. D'ailleurs le chasseur il a été très critiqué hein, en ce chapitre 2 de Fortnite. Vraiment il fait des balles à 30 et tout. Mais moi j'ai toujours mes petites habitudes, du coup je le prends. Non la sensi est vraiment waouh. Ok, on va prendre un peu de chill justement. Je trouve que c'est une très bonne idée hein, d'avoir mis des petits bidons comme ça. Enfin, bon là c'est un gros, mais il y en a plein dans les maps, etc. Je pense vraiment que c'est quelque chose de cool. Ça peut t'aider si tu peux pas te soigner, etc. Et ça apporte quelque chose de plus dans le jeu. Après, niveau munitions, niveau build, on n'est pas bien du tout.
Même si voilà, on a quand même assuré des petits kills qui font extrêmement plaisir. Je suis parti sans avoir fini de loot. Ah, on va prendre les bateaux. Bateaux que j'aime beaucoup hein, sur cette nouvelle saison de Fortnite. Enfin, moi, niveau munitions, on est trop mal. Hein. Je vais quand même les prendre. Hop. On va peut-être aller se loot ici. Dites-moi aussi dans les commentaires, je sais que là je vous fais beaucoup agir dans les commentaires, etc. Si ce style de vidéo vous plaît, si cette série vous plaît, tout simplement. C'est quelque chose que je voulais mettre en place, il y aura plusieurs épisodes. Le prochain épisode, bah, il va arriver, ce sera la prochaine vidéo, tout simplement. On a fait la 106 max et on fera tout simplement la 106 min minimum. Ok, il y a quelqu'un. Juste là. Ok les gars, petit kill en plus. Petit kill en plus, même si voilà, ça a été assez compliqué. Il a un peu tourné de partout. Bon, du coup, on va être full shield. Malheureusement, on a perdu un peu de vie. Il a 20 space 12. À ce niveau-là, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe. On a le meilleur pompe du jeu. Et puis, niveau build, on s'est mis pas mal aussi. On va déposer ça tranquillement et reprendre les petits shields. Je suis pas très très bon, hein, mais bon, je me débrouille. Je me débrouille, on va dire. Par contre, j'ai pas envie de monter à. De monter non plus, on va essayer de le faire tomber. Ok, voilà, on va prendre ça et on va vite descendre avant que. Ah merde, la zone. Ouais, on va prendre le lance-roquette. Mettre un maximum de pression à l'adversaire. On a space 12. Niveau du loot, on est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'on peut assurer ce top 1 si on arrive à bien jouer. Après, voilà, faut réussir à bien gérer ses fights. On est déjà à 7 kills. C'est plutôt cool, même si on a eu 2 bots au début. Je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose de pas mal en cette fin de game. Et franchement, si on fait un petit top 1, ça aurait été. J'ai peur que ce soit là-dedans. Ce serait une bonne conclusion pour cette vidéo. Un petit top 1. Hein. Sûrement quelqu'un là-dedans. Hein. Non, personne. On n'arrête jamais de se loot, mesdames et messieurs. Ok, bon, je pense que niveau tour, on est plutôt bien. J'entends encore un coffre. Je vais bien évidemment aller le chercher. Ok, il est. Il y a un gars. Ok, il y a un gars, on l'a vu. Il est là-bas. Je vais aller le rusher, hein. Je vais quand même essayer de faire. Un beau kill, j'espère. Et pas mourir bêtement cette fin de game. Ok, je joue pas. Avec round. En fait, on a ça. On va le recharger. J'espère qu'il n'y a personne derrière. Ce serait dangereux. Je suis Keblo. Non. Ouf. Non, j'avais plus de bulles, il faut vraiment pas assurer ce fight, j'ai vraiment le seum. En plus, c'est le gars au snipe qui m'a tué.
Bon dommage les gars, hein, petit top 4, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'oubliez pas que voilà, je suis pas très bon, hein, avec Saints 10 aussi malheureusement top 4, voilà on a fait quand même pas mal de kills dans cette game, il y aura une prochaine vidéo, un prochain épisode, mais avec d'autres gens cette fois-ci, là voilà je fais le premier épisode en solo, histoire de vous expliquer la série etc, voilà il y aura pas que sur les sensibilités, il y aura aussi sur les réglages graphiques etc, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. C'était DHM. Peace.